Je suis Christian Gann, fondateur de Maline Casalis, une marque de produits cosmétiques naturels pour peau noire et métissée. J'ai passé plusieurs années en France et je suis rentré et j'ai créé cette société qui s'appelle Maline Casalis. Nous avons, nous faisons des cosmétiques pour peau noire et métissée avec aussi bien des produits pour des hommes que des produits pour les femmes. Donc des lotions, des laits, des crèmes, gommages. Et nous avons aujourd'hui une cinquantaine de points de vente, essentiellement au Cameroun, à Yaoundé et à Douala. Pourquoi la jeunesse devrait-elle entreprendre ? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité en tant que jeunes Africains. Il faut savoir que l'Europe s'est développée avec les Européens et l'Afrique doit se développer avec les Africains. Donc j'incite vraiment la jeunesse à prendre en considération ça, ne pas se dire que j'ai un très bon boulot, j'ai envie de fuir l'Afrique parce que bon, peut-être qu'il y aurait une instabilité politique, peut-être que les conditions sur place ne sont pas favorables. Bon, rien n'est facile, que ce soit à Paris, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Afrique. Mais justement, c'est cette jeunesse qui doit créer et développer et faire en sorte qu'il y ait un environnement favorable pour le développement. Donc il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent. Aujourd'hui, nous avons les Chinois, les Coréens, les Indiens, les Turcs qui viennent sur place, qui créent des entreprises, qui rachètent des terres. Et je trouve aujourd'hui ça inadmissible que nous ayons des forces vives et que nous ne profitions pas de toute cette richesse qu'il y a dans la diaspora. Quelles difficultés rencontre-t-on lorsqu'on rentre de l'Occident ? Les premières difficultés, c'est vraiment s'adapter au contexte local. C'est-à-dire que il y a des personnes qui rentrent justement et ils se disent, qui rentrent en donneur de leçons auprès de jeunes qui sont déjà installés depuis très longtemps dans leur pays d'origine. Et justement, il faut venir avec beaucoup d'humilité, ne pas venir avec ses gros sabots. En se disant qu'on connaît tout, on vient des États-Unis, d'Afrique, parce qu'il faut savoir qu'ici aussi, il y a des jeunes entrepreneurs qui font de très belles choses, qui n'ont pas forcément eu la chance d'aller de l'autre côté, mais qui font de très belles choses. Donc, il faut venir avec ça. Donc, ça, c'est la première difficulté, c'est-à-dire se caler aux réalités. La deuxième difficulté, c'est que nous sommes dans un environnement, souvent, ça dépend des pays africains. Je parle par exemple du Cameroun, nous sommes dans un environnement quand même assez négatif et assez sceptique. C'est-à-dire qu'on sacralise beaucoup tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de l'Occident. Et par exemple, dans mon cas, le but a été de promouvoir justement des produits made in Africa pour justement que les jeunes et les Africains puissent être fiers de ce qu'ils produisent, puissent être fiers des produits locaux. Donc ce sont ces difficultés, c'est-à-dire que on peut rentrer et on peut entendre « oui, mais qu'est-ce que vous voulez nous montrer ?» Et il y a cette ambiance qui peut décourager un certain nombre d'entrepreneurs, mais il faut passer outre et venir avec une humilité. La dernière difficulté, c'est que les pouvoirs publics ne nous aident pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on n'encourage pas beaucoup l'entrepreneuriat des jeunes. L'administratif, tout ce qui est tracasserie administrative peut décourager aussi un certain nombre de personnes à rentrer. Mais comme je le répète, il n'est pas aussi facile d'être entrepreneur à Paris qu'être entrepreneur en Afrique. Certains se disent que
rentrer en Afrique, c'est beaucoup plus simple d'entreprendre. Non, c'est-à-dire qu'on doit travailler autant. Et voilà. Et enfin, les entrepreneurs ont souvent un problème lié au financement. C'est-à-dire que ce soit au financement, à l'accès au financement bancaire, parce que souvent il faut des garanties, souvent les très petites entreprises ne sont pas soutenues, mais également les financements en fonds propres. Donc il y a très très peu d'investisseurs en capital pour des sociétés en early stage, c'est-à-dire les sociétés qui sont en plein démarrage, et très peu de gens injectent. Très peu de fonds d'investissement déjà sont présents, par exemple, en Afrique francophone. Et très peu de fonds, justement, qui sont présents, peuvent investir et mettre du capital pour à moins de 500 000 euros ou 1 million d'euros. Donc, on a besoin de ces sources de financement. Beaucoup d'entreprises jeunes ont seulement peut-être besoin de 100 000 euros pour démarrer, de 50 000 euros pour démarrer. Et nous n'avons pas assez de business angels de qualité, je dirais, ou d'investisseurs en capitaux prêts justement à soutenir ces jeunes entreprises. Donc j'encourage la jeunesse camerounaise à aller au forum organisé par la Synergie de jeunesse camerounaise le 26 avril 2014 à la Sorbonne. Et venez nombreux pour parler du carnet de l'engagement pour la jeunesse camerounaise. Donc le site internet, c'est www.sjconline.com. Venez nombreux. L'Afrique se construit maintenant et nous avons besoin de toutes ces forces vives pour pouvoir construire l'Afrique. Nous ne pouvons pas être seuls sur place. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui sont rentrés. Il y a aussi des personnes qui sont rentrées, qui ont eu des boulots en Afrique. Et nous avons besoin de tout le monde justement pour pouvoir construire le continent. Donc j'incite vraiment tous mes frères et sœurs à penser à des projets et à venir et créer justement une Afrique meilleure.